Vidéo, la première de 2019, et du coup ça me donne l'occasion de vous souhaiter une belle et heureuse année 2019, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, bonheur, réussite, santé, amour, bref, plein de bonnes choses pour vous. Donc, la dernière vidéo c'était un lookbook de fête, je l'ai publié un petit peu tard, puisque les fêtes étaient passées tout simplement, mais ça peut vous donner des idées pour vos prochaines soirées, anniversaires ou autres, donc je vous laisse quand même aller la visionner si vous ne l'avez pas encore vue. Maintenant, cette vidéo, ça va être mes favoris de l'année 2018. J'ai un panier bien rempli de produits. Je vais essayer quand même de faire ça rapidement pour pas que ça dure trop longtemps. Mais vous savez, mais généralement, mes vidéos sont un petit peu longues. Donc, on va démarrer tout de suite sans perdre de temps. On va avoir de la beauté, beaucoup de beauté, du thé. Des choses pour les animaux aussi que, alors je vais pas dire que j'ai bien aimé, mais en tout cas que mes deux petites bêtes ont adoré. Et puis quelques idées de lieux ou d'endroits à fréquenter dans la région qui sont vraiment très cool. Allez, c'est parti, on démarre. Donc niveau beauté, j'adore, je vous avais fait un gagner en concours, cette eau florale d'oranger. Eau de fleur d'oranger plutôt, donc ça c'est des eaux toniques que j'adore, je les ai reprises, donc j'ai toujours l'oranger qui est relaxante, la l'eau d'amamélis qui est astringente et du coup l'eau de bleuet qui est apaisante, donc ça du coup ça a complètement remplacé toutes les lotions toniques que je pouvais avoir et j'utilise que ça. Je trouve que celle d'oranger a vraiment une odeur qui aimer la fleur d'oranger, mais moi je l'adore. Les deux autres ont une odeur pas très développée, mais j'aime bien quand même. Donc ça c'est mon premier favori de l'année, c'est la marque Leno et c'est vraiment pas cher. Si vous les trouvez, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va rester dans la gamme qui est du laboratoire Gilbert. J'ai trouvé des petites capsules d'huiles essentielles, donc j'en ai deux, une ressource et une force, donc ça c'est pareil, j'ai découvert ça cette année et je trouve ça très très bien. Du coup la ressource permet de vous calmer, de vous détendre et la force permet de du coup être plus tonique et de braver le froid et les petites maladies. Je les prends et elles sont vraiment très très bien, c'est pareil, si vous les voyez n'hésitez pas parce qu'elles sont top. On va rester dans la beauté avec un nouveau favori de la marque Algotherm, donc c'est le gel crème hydratant pour les yeux. De même je l'avais fait gagner lors de mon concours. Je l'adore, c'est difficile je trouve de trouver un gel crème pour les yeux qui ne pique pas et celui-ci est vraiment tout doux, donc c'est un bonheur à utiliser, je l'ai déjà racheté pour parce que celui-ci est quasiment terminé, donc lui c'est vraiment mon favori de l'année également. On va rester dans la beauté, j'ai découvert seulement cette année la marque NYX. Oui, ça fait un long moment qu'elle existe mais je n'avais pas encore de produit. Donc cette année, sur le site Beauté Privée, j'avais fait une commande, une poudre en fait fond de teint et deux rouges à lèvres, plutôt un nude et donc nude mais mat, et un autre mat que je porte actuellement, donc qui a une couleur un peu bordeaux. Et vraiment, je trouve que c'est des très bons produits pour le prix parce qu'ils ne sont pas onéreux, mais ils font carrément leur job. Les rouges à lèvres tiennent plutôt bien, ils sont agréables à poser. Donc là j'ai un lipstick turned up, si je parle bien anglais, et j'ai le matte velvet, et donc là la petite poudre c'est touche d'hydratation, un fond de teint en poudre, et vraiment c'est des bons produits, rapport qualité prix, il n'y a rien à dire. Je pense que je vais continuer un petit peu à étoffer ma gamme de produits NYX parce que j'aime beaucoup. Toujours dans la beauté, je ne les présente plus, ce sont mes rouges à lèvres favoris. J'en ai une collection assez importante, ce sont les Velvet de Bourjois.
J'en ai convaincu plus d'une avec ces rouges à lèvres parmi mes amis. Dès qu'ils sont en promo, lors des beautés, des promos beauté Leclerc ou autre, ou même sur beauté privée, puisque j'en ai fait un bon stock lors d'une vente, je les adore. Franchement, ils tiennent bien, les couleurs sont top, ils sont parfaits à appliquer puisqu'ils sont un peu crémeux, donc ça ne dessèche pas les lèvres. Et le rendu est mat, moi c'est ce que j'aime pour mes rouges à lèvres. Vous avez un panel de coloris top, donc ceux-là je vous les conseille, mais vivement, ils sont canons. Ça me fait penser que j'ai pas fait ma manucure et que ça va être, vous allez la voir. Voilà, désolée, oui, j'ai complètement oublié de la refaire. Donc, d'ailleurs ça va me faire penser, je vais vous parler de mon fameux vernis. Alors là comme ça, ça va pas le vendre, je vous l'accorde, mais ça fait 5 jours que je l'ai, donc pour 5 jours, franchement pour du vernis normal, pas semi-permanent, je trouve ça pas mal. C'est tout à l'heure en faisant la vaisselle, du ménage et en me lavant, du coup là il a vraiment pris cher, mais je trouve qu'ils tiennent très bien, c'est les vernis OPI. Donc je les avais achetés, j'avais acheté en tout cas ce noir là pendant des soldes Sephora, et vraiment il coûte un peu plus cher, mais je trouve que la tenue est quand même pas mal. Donc là j'avais mis évidemment une première couche transparente, deux couches de noir et une autre couche transparente, et voilà, ça tient bon 4-5 jours, mais c'est pas mal parce qu'avec d'autres vernis le lendemain vous n'avez déjà plus rien, là vous êtes quand même tranquille 3-4 jours quoi. Donc il vaut le coup, je peux que vous les conseiller. J'ai eu en début d'année ce parfum, le Narciso Rodriguez For Her, si je le dis bien. Je l'adore, je ne le quitte plus depuis que je l'ai eu, il ne me quitte pas. Franchement, l'odeur est canon. C'est un peu particulier, c'est musqué, boisé. Moi, c'est des odeurs que j'adore. J'adore, voilà, donc ça reste vraiment personnel le parfum, mais en tout cas, voilà, pour moi c'est vraiment un de mes favoris de l'année 2018 et qui a remplacé tous les autres parfums que je pouvais mettre jusqu'à présent, que ce soit l'été ou l'hiver. Lui, depuis que je l'ai, il ne me quitte pas. On va rester toujours dans la beauté pour le moment avec deux mascaras où j'ai eu beaucoup de questions durant l'année, à savoir quel mascara j'utilisais pour avoir les cils. Il faut savoir que j'ai la chance d'avoir quand même des très longs cils, donc ce qui fait qu'au niveau mascara, voilà, ça, y a toujours du volume et toujours de la longueur, mais il y en a certains qui sont pas forcément top. En tout cas, je peux vous conseiller deux mascaras. J'avais le Clinique avant, qui était très bien aussi. Là j'avais testé le Grandiose de Lancôme, que j'avais acheté pendant des promos, enfin des soldes Sephora, dans un coffret d'ailleurs, je crois que c'était après Noël de l'année dernière. Donc s'il est de nouveau en solde celui-ci, je le rachèterai. Il est vraiment canon, l'effet était très bien, et voilà, il a une brosse en forme de cygne, en col de cygne si on peut dire, puisque c'est pas une brosse droite, elle est tordue. Donc lui, très bien, évidemment c'est Lancôme, ça va être un peu plus cher. Autre alternative un peu moins chère, c'est celui-ci de Maybelline, le cils sensationnel voluptueuse, que j'avais acheté au promo beauté Leclerc cette année, en avril je crois, qui est très bien aussi. Volume, effet, éventail, une brosse, donc toujours une brosse en silicone pour moi, hein, pas de brosse en poil, canon, vraiment canon. Donc je vous le conseille fortement aussi, à surveiller lors des promos dans les supermarchés, parce que très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un autre produit que j'ai pu découvrir lors de la soirée beauté Chanel, un temps ou une heure pour soi, je ne sais jamais le nom de l'institut des Leclerc. Une heure pour soi, c'est ça, une heure pour soi. Donc on a eu des petits goodies Chanel et j'ai découvert ce fond de teint, le fond de teint de la collection Les Beiges de Chanel, que je ne peux que vous conseiller, et je pense que je le rachèterai
lorsque j'aurai une promo chez Sephora ou autre, parce qu'il est canon, je l'adore. Il s'applique super bien, il laisse un... l'odeur est canon aussi. Un très beau rendu sur la peau, bref, je l'adore. Alors là c'est pareil, c'est pas forcément donné, mais si jamais vous voulez tester, je vous le conseille fortement également, il est canon. On va rester fond de teint aussi, toujours les soldes Sephora. Les soldes Sephora, c'est le bon plan pour faire un peu comment son ravitaillement shopping niveau, niveau make-up. J'ai acheté ce fond de teint de Yves Saint Laurent pendant les soldes d'été et je fais que de le mettre. Pareil, application top, odeur top, rendu pas mal aussi. Voilà, c'est celui que je porte, vraiment très bien. Donc lui par contre, le petit hic, c'est qu'il n'a pas de, de petite pompe, donc c'est vous le dévissez et c'est une tige. C'est peut-être moins hygiénique qu'un flacon pompe. Mais bon, il est très très bien pour ma peau assez claire. Là, je sais pas ce que c'est comme référence. Ça va pas être écrit dessus. Je vous le remettrai en tout cas en dessous. Donc, c'est le fond de teint Yves Saint Laurent. Le teint en creux de peau. Canon. Pas trop épais. Et puis, rendu éclat. Il est top. Toujours dans la beauté. J'ai découvert cette année, enfin également, c'est pas trop tôt, lors des promos beauté Leclerc, les masques et gommages de la gamme L'Oréal. Donc voilà, c'est ces petits pots. Si je les mets bien, ça va être mieux. Donc voilà, c'est ces pots. Top. Rien à dire, je les trouve très agréables à l'utilisation, l'odeur du gommage est dingue, j'adore, c'est au sucre, ça fond, ça sent bon, c'est efficace. Les masques pareil, je les trouve vraiment très bien, il m'en reste un pot noir, mais ça c'est pareil, lors des prochaines promos dans les supermarchés, je vérifierai parce que ils sont très très bien, je vous les conseille également. On va passer maintenant au démaquillage. J'en avais fait un article, mais je ne peux que vous la conseiller. C'est cette huile micellaire démaquillante d'Yves Rocher. Premier flacon terminé, j'en ai racheté un direct. J'essaye d'utiliser tous mes autres démaquillants, mais clairement j'ai du mal à ne pas passer par cette case-là le soir. Je préfère, voilà. L'odeur est canon, ça fait un moment vraiment cocooning. C'est très 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 efficace par rapport aussi à des eaux micellaires où vous pouvez frotter, frotter, frotter et à la fin vous vous irritez la peau, les cils. Là voilà, vous faites juste un massage, tout part, c'est tellement agréable, tellement rapide finalement. Oui, vous utilisez de l'eau et un gant de toilette ou une lingette, voilà, que vous pouvez réutiliser. Du coup, voilà, je trouve que c'est aussi assez écologique parce qu'on n'utilise pas de coton. Bon, à contrario, on utilise plus d'eau qu'avec un démaquillage au coton. Mais gros coup de cœur. Donc, il y a un article sur le blog si vous voulez aller le voir. Je le remettrai également en barre d'infos parce que cette huile est juste canon. Niveau beauté, toujours... Faut que j'arrête de répéter ça d'ailleurs parce qu'on est en beauté. Donc... Promo beauté Leclerc, les gels douche, si j'arrive bien à le dire, Barn & Gen. Belle découverte également, ce sont des produits que je trouve très très bien. L'odeur est top, elle reste sur la peau, ça c'est pas évident non plus parce qu'il y a beaucoup de gels douche où quand vous les sentez ça sent très bon mais ça reste pas sur la peau. Ça, ça reste, c'est hydratant, très agréable. Le prix n'était pas donné, mais lors des promos, ça allait encore. Je les ai vus aussi une fois sur Beauté Privée, donc j'essaierai de vous partager si jamais je revois une vente. Mais vraiment canon, je vous les conseille vivement. Niveau cheveux maintenant, cette année, j'ai découvert ce shampoing violet de la marque Redken pour entretenir les blonds, hein, bien entendu. Très très bien, ne pas le laisser poser trop longtemps ou ne pas en faire trop régulièrement, sinon vous aurez les cheveux qui vont avoir tendance à se colorer un petit peu violet, mais très efficace. J'aime beaucoup l'odeur aussi, voilà. Ça, faut que je vous fasse un article sur les shampoings parce que moi maintenant je bannis, enfin je les termine, mais je les bannis, les shampoings des supermarchés.
et je privilégie des shampoings professionnels entre guillemets. Je trouve que les cheveux sont vraiment plus beaux, ont plus de volume et tout ça, donc ça je vous en parlerai prochainement dans un article, mais shampoing très très bien, le Redken Color Extend Blondage, si je le dis bien, toujours avec mon anglais magnifique. Toujours dans les cheveux, j'avais fait une commande chez Beauté Privée de la marque Masato, donc un shampoing et vous savez, un gommage purificateur pour le cuir chevelu. J'ai commandé ça en ne connaissant pas la marque et puis un gommage pour les cheveux inconnu au bataillon. Top, vraiment j'adore, c'est frais, l'odeur est canon, l'odeur du shampoing est top aussi, ça hydrate bien les cheveux. Ça fait son job et puis c'est très agréable à utiliser, il n'y a pas trop de grains, donc ça ne va pas vous décaper non plus. J'ai la mèche qui... Il va falloir que je retourne chez le coiffeur d'ailleurs en parlant de cheveux, parce que voilà, j'ai la mèche qui fait que de venir devant, ça ne va pas du tout. Donc il n'y a pas trop de grains, ça ne va pas vous décaper le cuir chevelu, mais odeur top, il se démêle très bien après... Volume, douceur, l'odeur est canon aussi, donc je vous les conseille aussi, si jamais vous croisez ça quelque part, n'hésitez pas, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il me reste de la beauté? Non, j'ai terminé la beauté, on va maintenant passer thé. Bon, ce qui devait arriver, arriva, coupure de batterie, donc je vais terminer tout ça très rapidement parce que voilà, ça risque de recouper très vite. En plus j'avais dit que je ferais pas une vidéo longue, je viens de regarder, elle fait quand même 17 minutes, donc je vais aller rapidement. Désolée aussi pour, bah voilà, hein, ça s'est bien assombri, donc on termine très rapidement cette vidéo. Maintenant, donc j'étais au thé Love Organic, donc celui-ci on l'a un peu vu partout, c'est un thé, enfin une infusion légumes et fruits avec de la carotte, carottes, feuilles d'épinards, poire, pomme. Il est très bon, moi je l'aime bien. Ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de goûter niveau thé, mais voilà, ça change, j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps également, ce sont les thés Fivia. Je les ai trouvés chez Noz à vraiment pas cher, à 3€ le sachet. Ils sont trop bons, je les adore. Donc j'avais pris le Body Detox et le Pure Night Detox. Il y avait que ces deux-là, j'y suis retournée, il n'y en avait pas d'autres malheureusement. Vraiment très très bien, les goûts sont très agréables. Bon, après niveau détox, je ne les prends pas, moi j'en fais pas des cures, hein, donc je ne peux pas vous dire. Mais très très bon, très bon goût. Rien à dire, ils sont top, donc n'hésitez pas également, je les ai mis dans mes favoris du coup 2018. Pour quasiment terminer, j'ai deux petits favoris pour mes petits chats. Donc ce sont des produits que j'ai achetés chez Cébio Animal, l'animalerie en ligne de Céline, coquette et bavarde également, ma copine. Donc il y a deux choses, ce sont des petites friandises pour les chats. Donc là j'avais pris anti-boule de poil et j'en ai un autre aussi pour chats stérilisés. Ils les adorent tous les deux, ça fait des petits crackers un peu comme des petites céréales fourrées, donc très très bien, ils les mangent parfaitement et ils adorent ça. Et le deuxième produit qui sont dans les favoris aussi pour mes petits chats, ce sont ces filets de maquereau. Donc là dans un sachet vous en avez 7 et ils les adorent aussi. Bibi qui est un petit peu difficile et qui a du mal à manger des choses, ça il en raffole et il arrive même à piquer chez Isis, alors que d'habitude c'est plutôt elle qui pique dans ses gamelles. Donc voilà, favori, vous pourrez retrouver ça du coup chez Cébio Animal. Et pour terminer, j'avais juste envie de vous parler de 3 lieux que j'ai découvert cette année et que j'adore. Donc il y a l'Institut Une Heure Pour Soi à Bayeux, que l'on a découvert avec les filles au printemps. Vraiment, si vous avez besoin de vous détendre, de faire des soins, mais ok, c'est Bayeux, donc ça dépend pour quand ça fera moins loin, pour Falaise ça fait un peu plus loin.
Je ne peux que vous conseiller ce lieu. Il est magnifique. La déco est dingue. Juste à tomber, mais c'est pile dans la tendance. Quand j'y suis allée la première fois, moi j'ai cru que j'étais dans un spa sur Paris, tout de suite Paris, bah oui. Mais clairement, on peut voir ça. J'ai pas vu un endroit aussi beau que ça de toute ma vie, niveau spa, institut, c'est magnifique. J'essaierai de vous en faire un article aussi prochainement pour que vous voyez les photos, même si vous aviez dû voir les stories au moment. Voilà, je vous conseille cet endroit qui est canon. On a découvert aussi là à l'automne avec Céline le Zen Hammam à Caen. C'est très très bien également. Là, on vous transporte beaucoup plus dans quelque chose de traditionnel marocain avec les soins, le hammam qui va avec, le rituel. J'en ai fait un article également, donc je vous mets le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Mais l'endroit est top aussi et les soins que l'on peut avoir là-bas sont canons. Et pour le coup, là, c'est un dépaysement. Vous avez l'impression de vous retrouver au Maroc, dans un spa marocain. Donc très très bien également. Et le dernier, donc là c'est pour le fun, on a découvert en toute fin d'année avec les filles le trampoline park qui est situé à Bretteville-sur-Odon, donc juste à côté du laser game. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un bowling aussi, voilà, c'est juste avant la bretelle pour partir sur Rennes, où il y a aussi les aubaines de la Redoute, là. D'ailleurs là-bas c'est très très bien aussi, ça faut y aller. Mais le trampoline park, voilà, vous avez vu nos stories dernièrement, c'est top. On a trop kiffé, on avait une heure, mais alors une heure ça suffit. Par contre, attention, les courbatures que vous allez avoir après, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être passée dans un rouleau compresseur, quoi. Mal partout, mais on a trop déliré. Donc vous avez plein d'espace, le parcours un petit peu à la Ninja Warrior, c'est top, top, top. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est très, très bien. Voilà, mes favoris 2018 sont terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois un bon début d'année 2019. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.